Buen camino. Gracias. And where did you start? Vichy. Like Vichy. 800 kilometers from here. Yeah. Mm-hmm. Yeah, then we went to Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay? Yeah. Monistrol, Saint-Privé-d'Allier, Aubrac, Carreau. And then we moved from the Camino del Puy to the one from Arles. From the south. We did both. And then you arrive here. From Saint-Rapide-Port. Saint-Rapide-Port. And then you walk Camino Frances. Camino Frances, Burgos, Leon, Saint-Diego. Very good. Albergue de Peregrinos. Ah, enchanté. Pèlerin. Florence. Enchantée. Bienvenue. Merci. Oui. Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 31 ans et je suis en voyage avec Rodolphe, avec qui je viens de me marier. Donc c'est un voyage de noces. Et voilà, donc on est parti pour notre voyage de noces de Vichy en France. On est parti. Et donc ça fait déjà un mois. Et une semaine qu'on est parti. On a déjà fait à peu près 800 km. La particularité de voyager à cheval avec Tennessee et Calita, deux juments. C'est un bout ? C'est des chevaux qu'on a loués dans l'Allier, de là où on est parti. En fait, on s'est mariés donc, dans l'Allier en France et on est parti de là. Et donc, il y a des gens qui partent de chez eux et nous on est parti de notre lieu de marquer notre mariage par un voyage de noces un peu particulier qui soit à la fois un voyage de découverte, un voyage spirituel puisqu'on est tous les deux catholiques, croyants et on avait envie de vivre une expérience à la fois de voyage et de foi pour démarrer notre vie ensemble. on peut parler de ce matin à Saint-Jean-Pied-de-Port. En fait, on s'est réveillé et nos deux chevaux avaient disparu parce qu'ils étaient partis du pré, parce qu'il y avait les chevaux sauvages, là, les potiocs, et ils étaient partis les voir. Donc, quand on s'est réveillé ce matin, on n'avait plus de chevaux. On s'est demandé si on allait continuer, mais en fait, elles nous attendaient là-haut avec les autres chevaux. On les a retrouvés un peu plus haut. Merci beaucoup. Ah non, buen camino. Ouais, merci.